Bonjour à tous, nous sommes jeudi 8 août et je reviens enfin vous montrer comment j'ai aménagé mon appartement. Normalement, je vous avais un peu prélaissé sur l'appartement vide. Il reste quelques cartons, mais le principal est mis. Il y a juste des endroits où je ne sais pas encore comment ménager et il faut que j'achète des aménagements intérieurs. Donc il y a 2-3 trucs qui traînent, je range. je vais vous montrer tout ça. Donc, nous voilà dans l'entrée avec en premier mon placard. Donc, il n'y a pas encore les portes, hein, c'est pas fini, il y a encore plein de finitions à faire dans l'appartement. Donc ça, c'était les deux meubles à chaussures qu'on a acheté chez Leroy Merlin. Donc ils sont pratiquement pleins. Et là on a mis une tringle. Là il faut que j'achète des, vous savez, les espèces de cubes. Mon père a rajouté cette planche là. Donc là j'ai mis mes jeux de société. Et pour le moment on a juste laissé une tringle. À la base on voulait en mettre une et une en dessous. Sauf qu'on vient avec, on va aller en voir avec une. Et pour le moment je laisse comme ça. Sinon mon père m'a proposé de me remettre une tablette. Je sais pas encore. Donc je dis que pour le moment on laissait comme ça. Ici pour le moment j'ai mis ma bibliothèque qui était avant dans mon salon. Donc là il y a encore des trucs mais ça va partir. Donc j'ai mis mes livres, mes trucs de recettes, ça c'est mes bougies, ça c'est mes papiers. Donc j'ai mis mon grand miroir, là j'ai mon vase que j'adore, j'ai mis mes bijoux ici, j'ai un avis de passage, il faut que j'aille à la poste. Mon sac, donc voilà. Pour ce coin là, là on a mis mon vase avec mes petites boules. Au niveau du salon, du coup là nous avons le canapé que nous avons recouvert. C'est pas hyper joli franchement, mais il est hyper confortable. J'ai plein de potes qui se sont endormis dedans tellement il est confortable. J'ai remis mon tapis, ma table basse comme d'hab, ma lampe d'ailleurs. Il y a le carton SFR, il va falloir qu'on en parle. Ici pour le moment j'ai laissé mon meuble. Clairement, il va falloir que je rachète une énorme télé. C'est en prévision. J'ai encore quelques cartons. Là, j'ai du coup ma salle à manger. Donc, j'ai mis la table en petit. Je ne l'ai pas grandi. Mon buffet qui est là. Il y aura sûrement quelque chose au-dessus. Ici, on a remis mon horloge parce que je suis perdue. En fait, autant quand je suis à l'extérieur, j'ai toujours mon portable sur moi. Autant dès que je suis chez moi, je le pose et je ne sais jamais où il est. Et du coup, j'ai toujours besoin d'avoir à peu près l'heure, comme tout le monde. Donc, c'est le premier truc que j'ai dit à mon père de m'accrocher. Là, j'ai fait mon coin à pop. On a aménagé comme ça pour le moment. Et franchement, je kiffe. J'essaie de voir pour en racheter un deuxième. Comme ça remplira un peu plus ce coin-là. Après, à voir, parce qu'en fait, ici, je veux voir avec des palettes pour faire sort une canapé pour profiter de cette vue. J'ai mis ma plante là parce que comme vous voyez, elle fait la tronche. Au niveau de ma cuisine, c'est rangé. J'ai beaucoup de rangements. Mais voilà, pour le moment, c'est à peu près comme ça. Ça doit aller là-haut, mais la prise qu'elle a, elle ne marche pas. Là, j'ai encore des trucs qu'il faut que je descende. Mais le plus gros est aménagé. Là, je vais acheter une plante avec des feuilles qui vont tomber. Là, vous voyez, il y a encore une barre de seuil à mettre. Au niveau de la salle de bain, vous verrez pas grand chose. Mais pour le moment, j'ai mis un peu mes produits tout autour. Je pense essayer de trouver une tour qui va là. Là, j'ai pas mal de rangements. Pareil en dessous. Là, il y a encore 2-3 trucs. Parce que le souci, c'est que j'ai blindé, si vous voulez, un peu ici. Vous voyez, là, j'ai plein d'espace. Et là, j'ai un peu fait du stockage, si vous voulez. Donc, je sais pas encore trop comment je vais aménager. Les WC, ça n'a pas changé. Ma deuxième pièce, donc là j'ai du linge qui sèche et derrière j'ai encore des trucs de travaux que j'ai un petit peu regroupés. J'ai mis mon canapé là avec encore des trucs que je sais pas trop encore ranger. Franchement tout ce qui est déco j'ai vraiment laissé de côté parce que tant que je n'ai pas fini d'aménager je ne sais pas trop comment je vais faire. Et là j'ai mon bureau, j'ai commencé un peu à ranger mes papiers. Là dans ce meuble là je vais mettre tous mes trucs d'activité manuelle. J'ai mis mon petit truc sur lequel je fais souvent mes photos, vous voyez il y a déjà l'appareil photo et tout sorti. Là vous voyez j'ai encore des cadres. Et pour ma chambre, j'ai pas fait le lit, hein. J'ai pas fait le lit pour vous. Donc du coup avec mes deux tables de chevet, mes lampes... ça c'est mon dressing du coup qui est bien rempli mine de rien. Et là j'ai mis mon emplacement avec ma coiffeuse. Donc là il y aura le miroir qui retournera. Mon meuble et j'ai mis un peu le miroir derrière. Parce que je voulais absolument un miroir dans ma chambre.
mais je sais pas du tout où le mettre. Et en plus, je vais en acheter un grand. Donc je pense que ça restera comme ça derrière la porte. Ça me gêne pas des masses. À voir. Donc voilà, c'est assez bien aménagé. J'ai pas vraiment de meubles à racheter à part le meuble pour mettre tout ce qui est pop, Disney et tout ça. Et un peu de trucs intérieurs. Je sais pas vraiment encore comment ranger. Et c'est quelque chose qui a tendance un peu à m'énerver de pas savoir où, comment mettre les choses pour optimiser en fait l'espace. Parce que j'ai l'impression d'avoir pas mal de rangements, mais de pas ranger. Voilà, de pas bien ranger. Donc voilà. Et oui, du coup, mon histoire SFR, en fait, j'ai SFR qui... Je sais plus du tout, je crois que je vous en ai déjà raconté. J'ai un technicien SFR, en fait, qui est venu chez moi et qui m'a annoncé qu'il ne pouvait absolument pas me relier à la fibre SFR parce que dans mon immeuble, il n'y avait que Orange et que je pouvais prendre la DSL. Sauf que, bah, clairement, j'ai pas envie de l'avoir de la DSL si je peux avoir de la fibre, clair et nettement. Et du coup, je lui ai demandé comment ça se passait et tout ça. Et il m'a dit bah, que pour lui, du coup, mon contrat allait s'arrêter et que j'allais pouvoir aller chez Orange, que j'aurais pas de frais de résiliation et tout ça. Je me suis dit, je vais quand même appeler SFR pour avoir confirmation. Et le mec au téléphone m'a dit, ah non, pas du tout, parce que vous pouvez voir la DSL, donc votre forfait continue. Si vous voulez résilier, vous êtes engagé jusque avril, vous allez devoir payer plus de 300 euros pour résilier et tout ça. Et j'ai dit, moi j'étais là, je dis, bah non, il est hors de question que je paye, alors que vous pouvez pas faire la continuité de service. Enfin voilà, et le mec n'a rien voulu comprendre. Entre temps, j'ai appelé Orange pour savoir si je pouvais vraiment bien me relier à la fibre parce que sur le site, j'y arrivais pas. Je suis tombée par un mec qui dit « Mais vous êtes sûre que c'est votre adresse ?» parce que je vous trouve pas. Et en fait, mon adresse, elle est un peu bizarre parce que ça englobe plusieurs numéros. Et il dit « Bah oui, mais c'est bizarre qu'au numéro là, je vous trouve pas et qu'au numéro là, je vous trouve. » J'ai dit « Mais c'est normal. » Et il comprenait pas et il était pas commercial, il était pas vendeur. Donc j'ai dit « On laisse tomber. » Au final, je suis allée en boutique pour prendre mon forfait. Sauf que j'avais plus d'offres sur le web, mais tant pis, au moins j'ai la fibre. J'ai pas encore uploadé de vidéo, je pense que je le verrai vraiment là. J'ai pas fait de téléchargement ou quoi, donc je vois pas vraiment la différence par rapport à mon truc normal. Et SFR au final, j'avais une sorte de commande de déménagement. Et là, il faut que... Et du coup, il me disait que suite à ma rétractation, ils avaient annulé ma commande déménagement et qu'il fallait que je renvoie les équipements. Et sur le bon de renvoi, c'est marqué inéligible parce que j'ai oublié une étape. Entre temps, du coup, j'ai appelé, j'ai une sorte de protection juridique avec ma banque, en fait, que je paye tous les mois pour avoir des avocats de disponibles si j'ai besoin. Ça m'énerve de tenir ce téléphone. Pour avoir des avocats si j'ai besoin. Donc là, en fait, j'ai appelé, j'ai une dame hyper gentille qui a pris le temps. Qui a revu mon histoire de SFR, elle a pris les conditions, elle m'a dit c'est pas normal, il faut que vous appuyez sur ça pour votre lettre de résiliation. Mais là du coup vu qu'ils m'ont donné le bon pour tout renvoyer, je vais tout renvoyer. Et si vraiment j'ai des frais de résiliation, je leur dirai j'ai absolument jamais demandé de résiliation, je ne vous ai pas fait de lettre parce que les SFR au téléphone m'ont dit il faut absolument que vous nous fassiez une lettre et seulement là on vous enverra le bon pour renvoyer vos trucs. Donc voilà mon histoire SFR. Je voulais quand même vous en parler parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Ça a intéressé beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous aussi m'ont donné des conseils pour quoi faire, des trucs en disant c'est pas normal qu'on te paye autant. Enfin bref, pas mal de petites choses. Et sinon, au niveau moral, je vais très bien. Je me sens très bien dans cet appartement. L'ancien appartement ne me manque absolument pas. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée dans le sens où ça va, tu regrettes pas ou quoi. Mais je pense que voilà, il était temps pour moi de fermer cet autre appartement dans lequel ça faisait bientôt 5 ans que j'étais pour ouvrir un autre. Et voilà. Et j'ai hâte, je suis très bien dedans. Je suis très bien toute seule dedans. J'ai beaucoup d'amis qui viennent squatter et tout ça pour mon plus grand plaisir. Et donc voilà, j'ai hâte de l'aménager, de remettre encore plus de déco pour le mettre encore plus à mon goût. Mais voilà, je me sens très très bien dedans, puis je suis encore plus proche de mon travail. En 5 minutes, je suis au boulot, donc ça c'est quand même le pied. Et puis cette vue quoi, moi je ne m'en lasse pas, du coup je mange devant. Ça fait toujours rire les gens, je nous installe, en fait j'installe les gens comme ça. Quand quelqu'un mange avec moi et ça fait toujours rire, mais au final tout le monde kiffe cette vue
Et donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte de tout décorer. Normalement, ce week-end, je vais peut-être chez Ikea. Donc, et ben, je vous emmènerai et je vous montrerai ce qu'on a acheté. De toute façon, maintenant, normalement, ça va être ça. Ça va être des petits vlogs déco en fonction de l'avancement, de ce que j'achète et tout ça. Une sacrée expédition. Dans le Kangoo des parents. Moi qui conduis. Je suis rentrée il y a un petit moment de chez Ikea. Ça a été une sacrée expédition. J'ai pris le Kangoo de mes parents pour pouvoir mettre surtout la plus grosse pièce qui était un miroir. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Ouh là là. Les antennes sont de sortie. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Premier, j'ai ce grand miroir. Donc il est pas grand parce qu'il fait 1m50. Mais il est assez large et il était vraiment pas cher, il était à 40 €. C'est vraiment un prix imbattable pour un grand miroir comme ça. Il y en avait encore un plus grand de 2 mètres. Donc oui, il est un peu caché derrière ma porte. Il y en avait un autre de 2 mètres, mais il n'avait pas de bout comme ça. Enfin, il était vraiment, ça faisait vraiment bas de gamme celui-ci. Donc j'ai pris le grand là. J'ai repris deux rangements comme ça, c'est des rangements que j'ai déjà dans ma coiffeuse que j'aime assez bien. Donc je les ai repris et j'ai également repris des cintres, c'est les mêmes que j'ai voilà, là. Le miroir là, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Alors, dans la salle de bain, j'ai acheté ce rangement qui est comme ceci, que j'ai calé comme ça pour le moment parce qu'il faut le fixer impérativement au mur. En fait, les pieds, c'est pas des pieds, c'est des crochets, c'est pour ça que je l'ai tenu avec... les trucs là, achat autre que Ikea, j'ai acheté cette mallette sur AliExpress. Je vous invite à aller sur le blog où je vous mets tous les liens de mes trouvailles AliExpress. Mais clairement, je la kiffe. Du coup, elle est quand même assez bien remplie comme ceci. Là, vous avez, hop, pour mettre. Et vous avez deux tiroirs sur le côté où vous pouvez encore ranger des choses. J'ai également acheté 4... box comme ça qui sont en tissu cartonné, enfin c'est, je trouve c'est de la bonne qualité pour vraiment pas cher. C'était quoi, 3,50 € je crois le box, donc j'en ai pris 4 pour mettre là. Pour le moment je les ai laissés sous côté parce que comme vous voyez il y a encore tous les trucs de mon père. Pour la cuisine, désolé il y a les cloches, j'ai trouvé deux bacs comme ça, donc je sais pas trop encore ce que je vais mettre dedans. Il y en avait de toutes les tailles, il y en avait qui étaient tout blancs, moi j'aimais bien ce un peu noir. J'ai pris cette lampe-ci que vous ne verrez pas vraiment, mais c'est une lampe style industrielle. J'ai pris trois rangements comme ça que j'aimais assez bien. Il y en avait aussi un en rouge. Hop, ça donne ça. Ça, c'était 10 €. J'ai pris les espèces de tablettes, vous savez, pour faire un deuxième niveau à l'intérieur. Donc ça, j'en ai pris 4, c'était 5 €. J'ai pris des pailles en carton. Je crois que c'est en carton. Parce que voilà, j'ai encore un peu de paille en plastique, mais j'aimerais ne plus en utiliser. Sinon, comme vous voyez derrière, j'en ai en dur comme ça là. Mais c'est vrai que j'en aurais bien aimé avec un petit goupillon pour les nettoyer. Mais en attendant, ça sera très bien. J'ai acheté ceci. Alors ça, c'est Flora qui l'a vu. Mais ça sert à ça en fait. Je trouvais ça pas mal pratique. Donc c'était vraiment pas cher. Et j'ai pris un couvercle pour micro-ondes. J'en avais déjà, mais celui-ci était plus joli. Donc voilà, j'ai pas trouvé tout ce que j'aurais... Enfin, tout ce que je veux, mais je savais que chez Ikea, j'avais fait une liste, il n'y avait pas forcément ce que j'aimerais, mais il y a des trucs, je ne sais absolument pas quoi mettre, genre mes lumières. Je ne sais pas, je veux mettre des trucs sous mon bureau ou sous ma coiffeuse, c'est pareil, il n'y avait pas de meubles qui me... Donc voilà, donc c'est en stand-by, et là j'ai acheté pas mal de rangements, donc c'est cool, je vais pouvoir faire gagner un peu trop de place, parce que quand je vois que des fois, il me reste le double de ce que je mets, enfin voilà, au moins ça sera un peu plus optimisé. J'ai complètement oublié de vous montrer que j'ai aussi acheté un truc à couvert, comme ça. Et ma petite plante qui descend, qui est du lierre. Flo m'a dit de faire gaffe que ça s'accroche pas au mur, sinon ça va être une catastrophe. Mais je suis bien contente et elle m'a coûté pas très cher. Avec le petit pot. Nous sommes dimanche 18 août et hier j'ai été faire les magasins. Je suis entre autres allée chez Action et chez Primark, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Chez Action en premier, j'ai acheté ce truc voilà, qui permet de nettoyer les vitres avec un petit récipient pour pouvoir nettoyer mes grandes vitres. Et j'ai pris ce produit, j'en entends beaucoup de bien, des produits là de chez Action.
Donc on verra bien ce que ça donne. Après j'ai pris du genre ça pour faire la poussière, ça pour que ça sente bon, j'ai repris des éponges et j'ai également trouvé un bloc porte parce que chez Ikea on n'en avait pas trouvé. Chez Primark j'ai acheté des sachets de senteurs comme ça à mettre dans la penderie, donc j'en ai pris 4 et j'ai également acheté les diffuseurs qui allaient avec. Donc là, ils étaient à 4 euros, donc j'ai pris 4 grands et j'ai pris un petit. Voilà, celui-ci il était à 2 euros, les grands ils étaient à 4. Vous savez, c'est les trucs avec les bâtonnets qui sentent bon. J'ai oublié de vous montrer, j'ai également acheté une lunette de WC chez Action, mais ça coûte vraiment pas cher. Elle était à 10 euros, c'est déjà celle que j'avais dans mon ancien appart et elle a très bien vécu. Et j'ai également surtout acheté des rangements chez Primark, j'étais assez contente. En premier j'ai pris celui-ci pour pouvoir mettre mes palettes dedans à 6 euros. J'ai trouvé le grand comme ça où on peut mettre plein de rouge à lèvres, ça c'était 10 euros. Ouais c'est ça. Oula. Et du coup j'ai également pris le truc qui va en dessous, donc il y en avait plusieurs différents vous voyez. Donc moi j'ai pris celui-ci, celui-ci il était à 12 euros. Voici actuellement à quoi ressemble du coup ma coiffeuse. Donc tous mes rouges à lèvres sont là, il y en a aussi là-dedans et du coup il y en a qui restent à côté. Et au niveau de mes palettes j'avais fait comme ça, mais vous voyez il y a tout qui passe pas dans le rangement là que j'avais sur Amazon. Et là j'avais mis mes éponges, donc je vais pouvoir les mettre dans le rangement. Donc je vais ranger ça et puis je vous montre le résultat. Du coup voilà ce que ça donne avec le petit rangement, j'ai pu mettre mes grosses palettes qui passaient pas dans l'autre. Et voici le gros rangement, donc il reste de la place là et du coup j'ai vidé un rangement comme ça et j'ai mis toutes mes éponges là et ici et là j'ai mis mes pinceaux de bambou que je mets pas là dedans. Donc voilà, à mon avis ça va sûrement rechanger, là j'ai remis d'autres trucs, là j'ai mis des parfums, enfin je verrai au fur et à mesure du temps, mais ça ressemble un peu plus à quelque chose, ça fait un peu plus rangé. Nous sommes dimanche 8 septembre et ça fait un petit moment je crois que je ne vous ai pas vlogué. Mais autant vous dire que vous n'avez rien loupé parce qu'il n'y a rien eu. Mes parents sont partis en vacances, mon père refait sa salle de bain, donc clairement ils sont pas venus. Moi j'ai acheté quelques petites choses que je vais vous montrer. Et puis je pense que je vais vous faire un point sur comment j'ai aménagé parce que ça a dû quand même changer par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois. Ah, vous le voyez, il y a un petit arc-en-ciel mais tout petit. Voilà, et magnifique ciel, mais tout petit. J'ai acheté des plantes chez Lidl. Je les ai payées quoi, même pas 4 euros. Avec ça, je l'ai acheté aussi chez Jardiland, des petits pots. J'ai rempoté cette plante-ci, qui comme vous voyez fait la tête parce que son pot était beaucoup trop petit. C'est la plante que j'ai achetée chez Ikea au tout début de mon ancien appartement. Et c'est une plante qui a grandi et qui me suit. Donc je tiens beaucoup à elle. Et là, c'est vrai qu'elle est en train de... Je l'ai mis dans l'autre sens de la lumière pour qu'elle se tourne. Et vous voyez, elle est en train de se redresser. Donc voilà, j'ai pas vraiment la main verte parce que j'ai fait déjà mourir des plantes là. Mais celle-ci, c'est vraiment la seule qui a survécu. Et du coup, j'y tiens beaucoup. Mais je fais avec ce qu'on me dit. J'en ai une. Ah oui, j'ai acheté Gustave. Je l'ai appelé Gustave. Ça, c'est chez Jardiland. Je le trouve magnifique. Je l'ai payé 20 euros avec le pot comme ça. Franchement une super bonne affaire, au moins lui il mourra pas. Dans ma cuisine j'ai celle-ci et vous vous souvenez peut-être de mon lierre qui était dans ma cuisine, qui lui est en train littéralement de mourir. Je l'ai mis là parce qu'il fait beaucoup moins chaud, je pense que je vais le remettre, mais je pense qu'il va falloir que j'enlève ça parce que clairement c'est mort. Et j'ai une autre plante qui est morte parce que en fait dès que le soleil tape sur les vitres il fait extrêmement chaud. Et du coup ça montait à des plus de 30 degrés et j'avais beau les arroser régulièrement, ça n'a pas suffi. Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Au niveau de mon entrée, ça n'a pas trop bougé. Là j'ai remis les boîtes que j'avais achetées. Du coup voilà ce que ça donne, j'aime assez bien. Donc là il y a encore tous les trucs de mon père. Moi j'hésite à mettre des portes, franchement je me tâte à voir. Mes chaussures je ne les avais pas trop montrées, mais du coup ça fait ça. Du coup j'en ai mis deux par casier parce que bah, j'ai pas assez de casier et je me dis là avec toutes mes chaussures d'hiver je sais pas vraiment comment ça va passer. Ici donc là j'ai un peu de bordel, mais c'est pour ça que je voudrais un placard dans ma deuxième chambre pour pouvoir ranger un peu ça et puis vous voyez ça et ça, au moins ça fera un peu plus rangé ici. Du coup pourquoi pas laisser ouvert. Ici pour le moment ça va rester comme ça. Il faut que je refasse comme vous voyez mes vitres, mais il faut que je les fasse par trois fois tellement elles sont dégueulasse. J'ai commandé
un rideau de lumière sur l'Amazon, comme j'aime bien le dire, qui ferait ma tête de lit. Donc j'attends parce que je me suis trompée, j'avais envoyé ça à mon ancienne adresse, j'avais changé l'adresse, mais ça avait juste changé l'adresse de facturation. Donc j'ai changé l'adresse, donc j'ai réussi à me faire rembourser et j'attends du coup le nouveau. Ici, eh ben, j'attends toujours qu'on me fasse mon placard. Et voici comment j'ai aménagé. Donc ça, c'est le truc que j'ai acheté. C'est de la broderie diamant, c'est avec des petits diamants comme ça. Je me suis lancée là-dedans, j'ai payé ça 40 euros. Sans savoir si ça allait me plaire ou pas. Donc je fais ça avec, avec des amis. Donc moi, vous voyez, j'ai déjà fait toute cette partie-là. Enfin bref, c'est mon occupation. Donc du coup, j'ai mis mon canapé, j'ai mis ça en faire en fond de, mes vidéos. Là, j'ai mis tout mon meuble avec toutes mes activités manuelles. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de choses hein, entre... la fimo, les perles, le dessin, qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin, j'ai 36 000 choses et ça, c'est du coup mon bureau. J'aime beaucoup travailler ici. La lumière est franchement, elle est parfaite, elle est tip-top. La vue est aussi assez sympa. Donc ouais, j'aime beaucoup travailler ici quand je bosse sur le blog. Au niveau de la salle de bain, c'est pareil, il n'y a trop rien qui a changé. Pour le moment, je ne pense pas changer ça parce qu'au final, la veste n'est jamais trop sale. À part quand il y a un peu des traces de dentifrice. Mais sinon, je m'attendais à pire. Au niveau de l'eau, mon père avait revu ma chaudière. Du coup, ça a beaucoup mieux pour prendre une douche. J'ai toujours pas inauguré en version bain. Par contre, ce radiateur, ça va que je suis pas grande. Faudra que je demande si un jour quelqu'un de grand prend sa douche chez moi. Mais déjà, moi, des fois, quand je me lave les cheveux, je me tape les bras dedans. Enfin, c'est... je comprends pas pourquoi. Dans le salon, ici j'ai mis ça parce que je savais vraiment pas du tout où le mettre. D'ailleurs, je vais le recentrer un peu. Mais je pense pas le. Voilà, je pense pas le garder. Donc je reverrai. Là j'ai mis la même déco que de mon ancien appart. Et faut que je vois pour m'acheter une plus grande télé. On va peut-être m'en prêter une. Mais j'ai l'impression que je dis ça, ça fait des années. Enfin, ça fait des mois. Et puis voilà, toujours mon coin Disney que vous avez déjà montré. Et voilà, j'ai aménagé comme ça. Là, j'ai remis des étoiles parce que moi, je suis fan des étoiles comme toujours. Donc, j'en mets partout. Et la cuisine, c'est pareil. Donc là, je me prépare à faire à manger. Le four marche super bien. Là, je sais toujours pas comment je fais ça, comment j'accroche ça. Enfin, il y a des trucs, ça reste en suspense. Si vous avez des fois des idées, franchement, moi, je suis preneuse parce que des fois on a toute une autre idée d'aménagement qui peut être pas mal du tout. J'essaye toujours de demander à mes amis comment ils aménageraient ou quoi. Après ils osent jamais dire ah bah non moi j'aurais pas fait comme ça quand c'est pas alors chez eux. Alors que moi j'aimerais bien des fois qu'on me dise bah tu devrais peut-être faire comme ça et puis essayer parce que voilà il y a plein de pièces genre ma salle de bain. Dans mon miroir j'ai plein de place, en dessous j'ai plus trop de place, mais dans le placard qui est derrière la porte, il est blindé. Enfin, j'arrive pas à répartir, je sais pas. Il y a des trucs comme ça, je sais pas vraiment. J'ai également acheté une espèce de ruban de LED multicolore que je voudrais mettre dans... Du coup, à la base, je voulais faire tout le tour du salon. Finalement, il aurait fallu presque 20 mètres et ça revenait un peu cher pour ce que c'était. Donc là, j'ai pris du 10 mètres. Donc, je me tâte soit à faire juste deux pans de mur, enfin, de vraiment juste faire ça. Où j'ai vu des gens qui séparaient un peu les pièces. Donc, peut-être mettre un rideau juste là. Mettre un rideau là et un autre là pour délimiter. Je sais pas vraiment. Il faut que je revoie ça. Mais c'est ce que j'ai commandé dernièrement en déco. Après, j'ai vraiment pas fait beaucoup les boutiques ou quoi. Là j'attends que le mois de septembre passe et je vais mettre un peu ma déco d'automne, après j'aurai ma déco d'Halloween et après j'aurai ma déco de Noël, d'hiver, enfin voilà pour le moment pas vraiment de déco. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ose pas mettre parce que je trouve que ça ne va plus avec mon intérieur. Genre j'ai un cadre marqué Doux Brésil en jaune et vert que je trouve absolument canon. Mais du coup j'ai essayé de le remettre chez moi et je me dis mince ça va pas trop. Faudrait que j'essaie avec le cactus, ça pourrait peut-être bien rendre. Mais vu que c'est dans tous les tons blanc, gris, bleu, j'essaie d'apporter des touches de vert. Du coup bah voilà, il y a des trucs je trouve ça va plus trop chez moi. Et ça m'embête quand même de m'en séparer. Donc voilà, je suis encore entre deux chaises sur mon intérieur.
Donc j'ai assez bien pris mes marques. Voilà, j'ai mes petites routines, mon petit rituel. Genre tous les matins, je me poste devant la fenêtre pour voir si Nancy n'a pas bougé. Ça me fait rire, je me fais rire moi-même quand je fais ça, mais c'est devenu vraiment un rituel. Par contre, j'en parlais encore dernièrement sur Instagram, encore du mal à me sentir dans mon chez-moi, même si j'ai ma déco ou quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, je trouve que c'est beau, je trouve que c'est bien. Enfin voilà, je me rends compte de la chance que j'ai. Mais j'ai encore du mal à me sentir dans mon petit cocon. Donc j'essaye, voilà, du coup, petit à petit d'acheter la déco dont j'ai envie et dont je suis sûre, comme là, je vous disais, les lumières. Mais voilà, il va falloir que je commence à faire un peu des magasins de déco pour trouver d'autres choses que je veux aménager. Parce que, bah, comme je vous disais, la cuisine, je sais pas trop comment faire. Tout ce qui est luminaire, c'est pareil, je peux pas rester avec des ampoules comme ça. Il faut que je mette des choses. Donc voilà, donc il va falloir que je bouge un peu tout ça. Avoir d'un côté Nancy avec la lune qui est absolument magnifique mais qui malheureusement ne ressort pas en vidéo, et de l'autre côté avoir un coucher de soleil. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de nuages, enfin qu'il n'y ait pas de nuages du tout, mais de malade. Les nuances sont absolument dingues. J'ai deux vues, mais magnifiques quoi. Gonna be alright.